Bonjour, bienvenue à cette deuxième marche pour le climat. Vous le savez, effectivement, aujourd'hui, notre trajectoire climatique est une catastrophe absolue. Le rapport du GIEC vient d'être publié. Notre trajectoire est sur un réchauffement de la planète de plus 3 degrés Celsius, alors que nous devrions nous maintenir à 1,5 degré pour pouvoir continuer, notamment à pouvoir avoir une vie à peu près normale sur cette planète. Donc la problématique, elle est très simple, c'est qu'il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un cabinet d'experts très sérieux qui a estimé que les besoins pour réorienter toute notre économie demander 10 milliards d'euros en fait de financement public pour faire cette transition écologique et énergétique. Sauf qu'aujourd'hui on voit que c'est pas la trajectoire qui est prise puisque le gouvernement est en train de nous faire voter un budget qui avoisine à peine le milliard d'euros pour les problèmes climatiques et notamment de gaz à effet de serre. Donc voilà, la problématique, c'est que le gouvernement est enferré dans ses carcans austéritaires. S'il investissait ce qu'il doit investir pour faire la transition énergétique, il sortirait des critères européens des 3% de déficit. Et donc on voit qu'aujourd'hui, le problème majeur pour faire la transition climatique qu'il est nécessaire de faire, c'est les carcans européens, c'est les directives européennes. Donc nous, ce que l'on propose, et vous êtes bien au courant maintenant, c'est de sortir de ces directives et de ces carcans européens pour pouvoir faire la transition et remplacer enfin la règle d'or budgétaire, parce que nous, on souhaite maintenant mettre en place la règle verte, qui doit être l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques qui sont menées dans ce pays-là.